Bonjour, voici ma nouvelle création, l'album Scrap Lisons. Sa réalisation est très largement inspirée de la nouvelle tout en boîte tout en colle, l'album Scrap Médor. Pour la reliure, j'ai utilisé ma Bindi Tall de chez Zooter avec une reliure à anneaux suffisamment large pour permettre l'insertion de beaucoup de photographies. Sur la première page, on trouve une simple pochette dans laquelle j'ai inséré deux grands tags suffisamment grand pour des photos. Dessus, une très grande pochette dans laquelle j'ai inséré un tag double avec quatre faces pour pouvoir insérer des photos et faire du journaling. Sur la page suivante, une pochette et une bande de papier qui retient un grand tag dont j'ai ancré les bords avec l'encre Vintage Photo et en haut, en déco, un joli double ruban. Quand on tourne ce volet, on trouve un grand emplacement pour mettre une photo. On tourne encore et on découvre une pochette avec une bande de papier et deux tags. Le premier tag vient se glisser dans la pochette derrière la bande de papier. Et à gauche, une enveloppe fermée par un joli ruban à l'intérieur duquel on trouve un tag. Et cette enveloppe est fermée par un aimant. Sur la page suivante, comme sur la première page, une pochette avec deux tags, un tout petit pour du journaling et un plus grand pour une photo. Sur le même principe que tout à l'heure, un grand tag double dans la pochette du haut. Sur cette nouvelle page, derrière ce joli ruban, se cachent des emplacements pour photos en accordéon. Derrière, un grand emplacement photo. Et sur la gauche, une page avec une pochette en bas et deux tags. Et sur le côté, un mini tag pour faire du journaling. Dans la grande pochette du dessus, toujours le même tag double. La dernière page, toujours le même principe, une pochette de côté avec deux tags. Et derrière, suffisamment de place si on veut coller une photo. Au dos, un volet avec un emplacement photo. Et quand on ouvre, une page avec une bande centrale et un tag. Et sur la gauche, une enveloppe et un tag. Ici aussi, l'enveloppe est fermée par un aimant. La couverture de fin, toute simple, avec un grand emplacement photo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup, à très bientôt !